Et yo tout le monde, c'est Nutiteuf, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokémon Ranger sur la Nintendo DS. J'espère que vous allez tous bien, moi personnellement ça va pas mal. Alors la dernière fois on avait battu, je vous rappelle, donc ce temple ici. Ensuite nous étions allés à ce second temple qu'on avait galéré pour le battre. Et donc là on se retrouve pour, eh bien, tenter de battre les temples suivants. Alors, où sont-ils? Je vous le demande. J'imagine qu'ils sont de l'autre côté. Et donc, bien sûr, j'ai fait une jolie sauvegarde. Tiens, regardez. On a deux flammes d'allumées. Oh, qu'est-ce qu'elle nous dit, là, la fille? Qu'est-ce que c'est? On dirait une statue! Ouais, on dirait une statue, en effet. Ce ne serait pas Entei? Si, c'est la statue de Entei. C'est un Pokémon légendaire. Il paraît qu'il en est un à chaque fois qu'un nouveau volcan apparaît. Je ne connais pas de Pokémon plus noble. C'est bizarre. Pourquoi y aurait-il une statue de Entei ici? Brice ne nous a rien dit sur cette statue, n'est-ce pas? Ok. Moi, je sens qu'on va avoir du mal dans les prochains épisodes. Oh non, pas eux, ils saoulent. Que font ces gens? Ça me semble être un endroit bizarre pour bavarder. Bon, on va aller les voir. Je suis désolé, nous effectuons des recherches très importantes. Je ne peux pas vous laisser entrer pendant nos recherches. Sur quoi portent nos recherches? Mon collègue saura vous expliquer cela mieux que moi. Comment? Je te remercie du cadeau. Eh bien, c'est-à-dire que nous conduisons des recherches intensives et confidentielles. Et nous aurons bientôt fini, repassez plus tard. Surtout, n'hésitez pas à revenir plus tard. Ouais, d'accord. On sent qu'ils ont quelque chose à cacher. Tiens, on peut sauvegarder là. Bon, allez, sauvegardons ici. Hein. Comme ça, on n'aura pas tout le chemin à faire. Même si on n'a pas fait grand-chose, j'ai envie de vous dire, on sauvegarde et puis on se retrouve dans le prochain épisode. Ah non, lol, je rigole. Alors, je m'excuse si pendant une semaine à peu près, vous n'avez pas eu de Pokémon Ranger. J'avais pas le temps. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Ah, elle va encore nous parler et nous lire les inscriptions. J'entends comme un rugissement étouffé. C'est peut-être le vent. Quelque chose est gravé sur la plaque. Le défi du vent. Des quatre directions soufflent des vents puissants. Refusez-les parfois. Acceptez-les parfois. Et parcourez votre chemin. La fureur de celui qui incarne le vent vous attend. De vos mains, vous devrez apaiser la rage que la bête sauvage a en elle. Quand la bête sera calmée, le saut de pierre ne sera plus et le défi du vent prendra fin. Dans la chambre des défis, il n'y a pas de sauvegarde, ce qui constitue un défi en soi. Qu'est-ce que dit... C'est ce que dit la plaque. Ouais, lis si tu veux regarder. Bon, on s'en fout. Hein. Mmh. Ah, le vent change de direction. Oh putain. Ok, ok, ok. Très bien. Oh bah jusque là c'est assez... C'est assez simple. Voilà, c'est tout. C'était facile, hein. Allez, on y va. Je pense que les épisodes de Ranger seront un peu plus longs et qu'il y en aura un par semaine à partir de maintenant. Je suis toute décoiffée à cause du vent. Et toi, tu as des larmes aux yeux. C'est le vent, Entei? Ouais, c'est le vent. C'est ça. Bah, c'est qui, le vent? Oh, c'est Libégon. Ok, pourquoi pas. Bon, allez, va falloir gérer, j'ai envie de vous dire. Oh putain. Ah mais attendez, il faut lui faire que 5 tours. C'est tranquille. Enfin c'est tranquille. Pas pour Entei. C'est pas bientôt fini? Merde.
Ah, il fait mal, hein. Ah, il fait mal, ça c'est sûr. Eh merde. Fallait que j'aille un tout petit peu plus vite. Merde, je l'avais. Fallait que je relâche. Ok, intelligent de te mettre en dehors de l'écran. Intelligent, là je trouve très ça très intelligent. Et merde. Et merde, un tour de pas assez. Non, je l'avais, monsieur. Monsieur. C'est le stylet, hein. Et non, et voilà, il me manque un rond. Un rond. C'est bon, bah voilà, voilà. Bah il était facile à capturer, ce libégon. Très bien. Ok. Cool. Quand tu as capturé le libégon, le seau de pierre a disparu. Et ça y est, nous avons réussi les 3 défis. Hein? Il y en a 4 de défis. Capsi Kenti se remplit d'une énergie étrange. Il y en a 4 de défis, madame. Allez, faisons demi-tour. Mais non, il faut faire le 4e défi, madame. Moi, je vais faire le 4e, je vais capturer Entei. Puisqu'on est ici, tu veux qu'on jette un coup d'œil à l'autre défi? On ne le fait pas, bien sûr, d'accord? Allez. Allez, allez, on y va. Mais on ne le fait surtout pas. Naturellement, on sauvegarde, hein, parce que sinon, c'est... Ce serait con de perdre comme la dernière fois. Après, je dis ça, je dis rien. Allez, bon courage pour la suite, merci. Les deux chercheurs sont partis. Ils ont dû terminer leur travail. Ouais, cool. Regarde Enti, la plaque a été abîmée. C'est trop abîmé, on ne peut plus lire ce qui était écrit. C'est peut-être que ça a été fait pour que personne ne puisse réussir le 4e défi. J'arrive à comprendre quelques mots, mais le sens m'échappe. Tu veux essayer de lire Enti? Pour une fois que ça nous sert à quelque chose d'essayer. Plaque est abîmée, machin. Le défi feu, flamme, viol, vol, pourchat, drague, feu, attend, main apaisée, rage, bête, vague, vage, elle, quand calme saut, plus et défi feu, apporte, confus, chambre, défi, pas, sauvegarde, constitue, défi. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Faut juste avancer, vous croyez? Pokémon à gogo, nous vous entendions! Prends ton temps, arrête-toi un instant. Oui, bah il répète à chaque fois le même speech, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Attention les oreilles, nos attaques musicales sont sans pareil! Le rythme de la rage va battre ce sol sans âge. La mélodie de l'ambition va accomplir son ascension. Attendez, c'est pas... On m'avait dit que Dracaufeu était super dur à attraper. Si tu ne connais pas, nous allons y remédier. Killian, Kevin, Kenan, Caitlin, les stars du groupe Grok, le Quatuor Grok, un nom que tu n'oublieras pas. Ok, super. Bon, allez, maintenant, vous en allez. Hey, ça faisait longtemps. Bienvenue au défi du feu. Vous êtes des rangers, non? Comme vous le voyez, ce Dracaufeu souffre atrocement. Vous devriez le capturer, je pense. Vous savez, pour le calmer.
Et Enti, c'est qui ces musiciens? Ils font partie du groupe rock? Oh non, regarde le drac au feu! Qu'est-ce qu'il a? Faut que tu te calmes, hein. C'est pas grave, hein. Le drac au feu a vraiment l'air de souffrir. Bon, allez, on y va. Ah bah viens. Tu veux pas... Il veut pas venir. Ah. Oh là là, ça saoule ça. Déjà c'est impossible d'aller vers lui donc Ah si. C'est bon, on a réussi à l'avoir. Cool. C'est un drac au feu sauvage. Ouais, merde. Merde, presque. J'ai failli l'avoir, vous rendez compte? Putain, j'ai pas envie de toucher les trucs, hein. Et merde. Putain, on va mourir les gens. J'aurais dû réussir du premier coup. Hein. Eh merde, j'ai touché le truc rouge. Oh, ouais mais c'est pas grave, on y retourne. Attendez, vous avez cru qu'on allait se laisser abattre par un petit drac au feu à la con, là? En fait, il est pas dur, hein. Il est pas dur, c'est juste que si on le fait pas du premier coup... Si on le fait pas du premier coup, en fait, ben... C'est perdu. C'est tout. En fait, c'est ça. Il faut que j'envoie direct mon Posipi. Non, mais du coup... Ok, donc le capstick est chargé complètement, c'est parfait. Oui, ok, on a compris. Ah, les deux chercheurs, ils sont partis! Oh là là là! On a compris que les deux chercheurs étaient partis, madame. Ok, la pierre a été abîmée, machin, c'est trop abîmé, on peut plus lire. Machin, j'arrive pas à comprendre. Tu veux essayer de lire NT? Non, mais non, ça ira. On va pas lire quand même. Oh non, ils vont nous refaire leur speech, le quatuor du groupe Gorok. Oh là là, bon allez, petite ellipse. Allez les gens, on y va, on va aider le drac au feu. On va tenter d'aider le drac au feu. Putain, bâtard. Ah bah c'est bon, on l'a déjà. Oh bah cool. Alors c'est un drac au feu sauvage. Ouais merde, j'ai pas réussi à le faire assez tôt. On s'en fout, on va faire ça. Pokéhead. Putain, bâtard! Non, j'ai pas réussi! Allez, petite ellipse! Et allez, les gens, c'est reparti pour attraper ce drac au feu! Et voilà, ça y est, bon. Si c'était juste ça. Voilà, il faut tout de suite que je lance la Pokéhead.
Et voilà. Si ça c'est pas de la capture. Si ça c'est pas de la capture. Voilà. Bon bah très bien. A de la chance. Bravo, je n'en étais pas moins d'un ranger de la Fédération Ranger. J'ai essayé de capturer ce Dracofeu, mais notre capstick n'est pas encore au point. Et le Dracofeu a été blessé, c'était un accident bien sûr. Alors on était bien content que de voir arriver des gentils et serviables rangers. On vous remercie, vous avez réussi le quatrième défi pour nous. Quoi? Nous avons juste capturé le Dracofeu. Qu'est-ce que ça a à voir avec le défi? Vous n'êtes pas très futés tous les deux. Capturer le Dracofeu était le quatrième défi. Il y a une légende sur les ruines olives. Vous les connaissez. Si les quatre défis sont terminés, un désastre se produira dans la région de Fjord. Nous, les membres du groupe Gorok, nous avons très envie que ce désastre se produise. Nous avons appris que deux naïfs rangers venaient relever les défis. Alors là, l'idée m'est venue. Nous allions les convaincre de relever le quatrième défi. Vous avez eu plus de mal que je le pensais, mais vous l'avez fait. Tiens, tiens. Je me demandais ce qui est arrivé à la statue de Lentei. Rien de bon, j'espère. Ça alors, ils nous ont eu. Oh là là, j'espère que la légende n'est pas vraie. Et pourquoi a-t-il parlé de la statue de Lentei? Il lui est arrivé quelque chose? Allons voir. Mais allez, on y va, mon ami. Moi, je sais, je suis sûr, elle a disparu. Mais bon. Pas grave, hein. Qu'est-ce qui peut bien se passer quand les quatre défis sont réussis? Il y a des flammes, c'est tout. Pas de désastre à l'horizon. Oh là là, la statue du Entei, elle a disparu. Tiens, la statue d'Entei a disparu. C'est ça le désastre? Je pense qu'ils se sont juste moqués de nous. J'ai eu peur pour rien. Nous devrions partir, Entei. Nous avons terminé avec les défis. Il ne va rien se passer. Ah ouais, tu crois ça? Toi, une statue, elle disparaît comme ça, et toi, bon, tant pis, c'est bien. Cette secousse, ça n'est pas bon signe. Et ce bruit, ça vient de l'intérieur des ruines. Retournons-y, nous devons aller voir. Capstick a reçu un message. Oh, un tremblement de terre, ça semble venir des ruines olives. Je ne me fais pas de soucis pour vous, je suis sûr que vous allez bien, n'est-ce pas? Étudiez les dégâts et trouvez-en la cause. Il pourrait y avoir des répliques, faites attention. Victoire, un ranger d'Automnel qui se trouvait à Ilioété ne devrait pas tarder à vous rejoindre. Je vous demande d'être très prudent, ça secoue encore. Eh ben écoutez, on va se quitter là-dessus. Et j'ai envie de vous dire, on se retrouve très vite pour le prochain épisode de Pokémon Ranger. Allez, à la prochaine.